le plus grand pour vous cette prestation de service pour la nomination du nouveau sous-préfet de l'arrondissement Édouard Lapenaud? Merci. Je suis ma fille, petite fille d'Akouaya, choix de Méricamounais, cadre de son public, notamment en section lycée, chef service. Je ne saurais vous répondre sans remercier le grand ami de son destinage sur le public de l'Akouaya pour cette marque de renouvellement qui a fait monde à la voix de notre fils et petite fille. La personne de M. Tchatchou, sous-préfet de la République. Je ne saurais vous dire la joie que j'ai en ce jour. Vous voyez vous-même, les dates qui sont sur le chemin, l'ampleur de la fête. Il va de soi qu'on soit vraiment content. Pour vous, est-ce que la fête a été belle? Est-ce qu'elle a été magnifique? Très belle, magnifique, très belle. C'était une face à tête, quoi. Et quel est le mot que vous envoyez au nouveau préfet, au nouveau sous-préfet de la semaine de la première? La paix, le travail et la tranquillité. Vous savez, avec la paix, on peut tout faire. Et la tranquillité, moi je suis enseignant et je sais que quand on a la discipline, on réussit partout. Et la paix. Donc si une marque, ça discipline et la paix, dans ce moment-là, je sais que tout est réussi. Merci.
au drapeau. Dans la République, Ouahoua choisit un Foumbou Nga. En l'occurrence, un ressortissant du Foumbou Nga pour présider à la sous-préfecture de Douala Pokolo. D'accord. Maintenant, par rapport aux fonctions, il y a plusieurs fonctions qui l'attendent au niveau de Douala Premier. Alors, vous croyez qu'il sera la capacité de tout ça? Ben, écoutez, vraiment, c'est pas quelqu'un qui... La cérémonie va devoir commencer. Je vous rappelle, nous prions les corps constitués de bien vouloir se mettre en place. A priori et au service. L'arrivée des sous-préfets est annoncée. De 30 ans. Vous comprenez. Et je pense que partout où il est passé, forcément, il a eu pas mal de succès. Nous annonçons à ce micro l'arrivée des sous-préfets entrant et sortant de l'arrondissement de Douala Premier. Pendant ce temps, les corps constitués sont priés de bien vouloir se mettre en place selon l'ordre indiqué. D'accord, la dernière question, quel est donc le privilège des enfants de Onka? De voir les enfants à Onka, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner dans ça? Écoutez, on va pas parler de gagner. On parle des Camerounais, on ne parle pas des ressortissants du Onka. Il est au service de la Les membres des autres chambres du Parlement. Et je pense qu'il peut bien servir tous les Camerounais. Ok, merci. Thank you.
Non, je... Monsieur le reporter, ça suffit. Assemblée nationale, distingués invités en vos rangs et grades bien observés, mesdames et messieurs, la cérémonie solennelle de passation de commandement entre les sous-préfets entrant et sortant de la circonscription administrative de Douala Premier, que préside monsieur le préfet du département du Jouy, annonce dans ses articulations les arrêts majeurs suivants: la locution de bienvenue de monsieur le maire de la commune d'Aron, remise des cadeaux suivie de la visite des groupes de danse, la signature des documents à la sous-préfecture, la photo de famille au perron de la dite sous-préfecture,
un cocktail sur invitation et ce sera la fin de la cérémonie. Nous invitons à présent à ce pupitre Monsieur le maire de la commune de Douala Premier pour son allocution bienvenue. Il faudrait que nous le sachions tous. Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, honorable parlementaire, Madame le maire de la commune d'arrondissement de Douala Premier, chers collègues, Douala deuxième, et chers collègues, excusez le lapsus linguae. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, leur majesté, les chefs traditionnels. Les chefs là derrière. Monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Douala Premier, distingué membre du Parlement, Leur Majesté, les chefs traditionnels, très distingués invités, mesdames et messieurs. La cérémonie protocolaire qui nous rassemble ce jour en ces lieux constitue sans conteste l'un des actes marquant la vie et la marche dans le temps d'une circonscription administrative. Il s'agit ici de la cérémonie de passation de commandement, pour moi, le désir de communier pour la première fois comme préfet du département de Bouy. Avec vous, voyant la population de Douala Premier, et l'agréable voix de présider cette occasion si solennelle de passage de témoins entre les sous-préfets sortants et entrants de votre arrondissement. Monsieur le maire, permettez-moi de vous remercier tout particulièrement pour les propos fort aimables que vous avez bien voulu formuler à mon endroit et pour le président de la République et chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Population et l'arrondissement de Douala Premier, mesdames et messieurs. S'il est vrai que l'arrivée de votre nouveau sous-préfet procure un sentiment d'allégresse, il est tout aussi vrai que le départ du sous-préfet sortant suscite indubitablement une profonde mélancolie. En effet, le 4 septembre 2017, le chef de l'État a nommé M. Chakri Noudier Jean-Marie comme sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier. En remplacement de monsieur et prend par Jean-Marc, muté par le même acte à Douala 4e. À la suite de ce texte, certains observateurs ont entretenu des commentaires parfois tendancieux. Beaucoup ont voulu s'attribuer la paternité du départ de monsieur et prend par Jean-Marc. D'autres ne cessent de faire croire à qui veut entendre que l'arrivée du nouveau sous-préfet et le choix de celui-ci relève de leur volonté. Pour couper court à toutes ces supplications, je voulais rappeler à tous, afin que nous en ignorent, que le président de la République, chef de l'État, est par la Constitution le chef suprême de l'administration de notre pays. À ce titre, il organise les services publics et gère les ressources humaines, notamment en procédant périodiquement au renouvellement des hommes appelés à animer les services. Des pouvoirs ainsi reconnus au président de la République particulière, et l'une des géantes s'impose à lui pour exercer son pouvoir discrétionnaire, pas plus que le choix de tel fonctionnaire pour occuper tel poste de responsabilité à tel endroit. Un mouvement protectoral, quel que soit son ampleur, symbolise à mes yeux l'accueil d'une administration toujours plus performante et plus apte à remplir les missions que le chef de l'État lui assigne. En même temps qu'il porte témoignage de la volonté d'unité et d'intégration par l'affectation du personnel de commandement
sans distinction et partout nécessité de servir les appels. Le sous-préfet sortant, M. Nkouan Baga, à qui nous souhaitons bon vent dans sa nouvelle unité administrative, l'avancement de Douala 4e, dans le département de Louvain en l'occurrence, aura, durant son séjour de 6 ans et 7 mois à la tête de l'avancement de Douala 1er, marqué ses administrés 7 par ses qualités morales, professionnelles et humaines, et surtout par sa rigueur, sa fermeté, sa loyauté et son sens élevé de l'intérêt général. Pour remplacer, le chef de l'État a choisi un autre haut fonctionnaire chevronnais, la personne de M. Chapinoudier Jean-Marie. Né le 2 août 1961 à Bafon dans le Haut-Camp, mais originaire du village de Bavantou dans l'arrondissement de Banja, dans le département du Nord de l'Ouest, M. Chapi a effectué ses études primaires et secondaires à Banca et à Bafon, sanctionné par l'obtention du CEP en 1975, l'EPC en 1979, d'un probatoire A4 en 1981 et d'un baccalauréat A4 en 1982. Puis la même année, il va s'inscrire à la faculté de droit et de sciences économiques de l'ex-université de Yaoundé, où il obtiendra une licence en droit public en 1985, une maîtrise en droit public en 1986 et une diplôme d'études approfondies dans la même discipline en 1987. Admis à l'ENA en 1986, il en sort diplômé en 1988 avec le grade d'administrateur civil. Intégré dans la fonction publique la même année, son parcours professionnel se déclinera d'ailleurs concis après. Cadre de contrôle et de vérification dans les services du contrôle supérieur de l'État, de décembre 1988 à décembre 1992. Conseiller aux affaires économiques auprès du gouverneur de l'ex-province de l'Extrême-Nord à Maroua, de décembre 1992 à octobre 1996. Premier major protectorat de Banjoun dans le Kunki à l'ouest, d'octobre 1996 à septembre 1998. Sous-préfet de l'arrondissement de Goura à le Mayo-Tchanaga, région de l'Extrême-Nord, de septembre 1998 à décembre 2003. Sous-préfet de l'arrondissement de Penka-Michel dans la Ménoua, région de l'Ouest, de décembre 2003 à septembre 2008. Sous-préfet de l'arrondissement de Nkoum dans le Boui, région du Nord-Ouest, de septembre 2008 à avril 2011. Sous-préfet de l'arrondissement de Messamina dans le Haut-Lyon à l'Est, d'avril 2011 à avril 2013. Sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e dans le Boui, depuis avril 2013 jusqu'à sa récente mutation à Douala 1er. Et a par ailleurs assumé l'état de chargé de travaux dirigés à la faculté de droit et de sciences économiques de l'ex-université de Yaoundé de 1988 à 1992. Monsieur Chagoué, Camerounais et chevalier d'ordre de la valeur. Il est marié à l'institutrice d'enseignement général Ngando et Clé Francine Bertol et père de plusieurs enfants. Mr. Divisional Officer, in terms of recommendation as far as, in the present context, there is a crucial need for administrative authorities and citizens under their care to be constantly enlightened on their rights, obligations and duty. That is their respective places and roles in the management of the administrative unit. In effect, Mr. Divisional Officer, the challenges awaiting you in Douala 1 subdivision are fundamentally the needs of maintenance of law and order, the economic, social and cultural development of the population of your administrative unit. As far as maintenance of law and order is concerned, it is a permanent preoccupation of all times and proceeds of preventive and repressive measures. Therefore, I prefer you to keep vigilant and to have a high sense of anticipation. Douala 1 subdivision, which hosted prestigious services and other business places of enemies of peace,
whose activities are to deprive the population from their properties and sometimes results in killing. Therefore, you have to see into it by fighting against this urban criminality. My presentation is, before any other thing, the concern of each and everyone. They have consequently, Mr. Divisional Officer, another governmental and in close collaboration with traditional authorities and community leaders to take part to the organization of their own security. In 461 du 4 septembre 2017, portant nomination de sous-préfet, le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2005-104 du 13 avril 2005, portant organisation de l'administration territoriale et de la décentralisation, vu le décret numéro 2008-376 du 12 novembre 2008, portant l'organisation administrative de la République du Cameroun. Vu le décret numéro 2008-377 du 12 novembre 2008, fixant les attributions de chef de circonscription administrative et portant l'organisation et fonctionnement de leurs services. Vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011, portant l'organisation du gouvernement. Article 1er. Somme. À compter de la date de signature du littoral, département du Burundi, sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier, Monsieur Chapuy Moundi Jean-Marie, administrateur civil principal, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e. En remplacement de M. Ekwan Mbara Jean-Marc Muté. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature, prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel, en français et en anglais. Yaoundé. Le 4 septembre 2017, le président de la République, signé Paul Biya. Pourquoi j'ai un peu mettre un peu. Là, tu me déplaces pourquoi hein? Cherche aussi. Ah. Ah. Au revoir. Autorité administrative, honorables membres du Parlement, magistrats municipaux et conseillers municipaux, responsables des forces de maintien de l'ordre, responsables des services publics d'arrondissement, ministres du culte, responsables des partis politiques, chefs traditionnels, élites intérieures et extérieures, population de l'arrondissement de Douala Premier. De par le président de la République, et conformément aux dispositions du décret dans lequel vient de vous être donné, voici votre sous-préfet. Monsieur Chakui Moudié Jean-Marie, prenez le commandement. Thank you.
avec ta caméra là. Évidemment, le nouveau sous-préfet doit la premier compte tenu de la spécificité de son arrondissement qui est, comme je l'ai dit, le cœur du département et de la région Guadeloupe. Sont davantage liés au maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre entendu comme garantir la paix sociale en tout temps et en tout lieu. Il est également recommandé au sous-préfet de Douala premier de redonner à cette cité son blason en termes de salubrité. Vous savez que les atteintes à la tranquillité publique ont fait leur nid dans cet arrondissement où réside la crème administrativo, diplomatico, consulaire et même d'affaires. C'est, comme l'a dit le maire, l'endroit qui se remplit et se désemplit le soir. Donc, on a besoin d'une certaine sérénité par moment. Donc, les atteintes à la tranquillité publique doivent être également un point focal de son action. Ce que j'appelle le milieu commun qui agissent en marge de la réglementation. Et pour cela, le sous-préfet a besoin de l'accompagnement de tous parce que la paix sociale, c'est une affaire de tous. La sécurité, c'est une affaire de tous. Les populations, les relais des populations qui sont les leaders d'associations, les chefs traditionnels et même les responsables politiques. Tous ceux-là ont besoin de mettre la main à la pâte pour aider le sous-préfet qui n'est qu'un facilitateur afin qu'il puisse accomplir la mission et relever les défis de cette évidemment, les fonciers n'est pas en reste. Voilà pour les, comme je l'ai dit, un arrondissement aux appétits fonciers surdimensionnés. Voilà foncier également sur le plan d'organisation chevale, connaît des problèmes. C'est autant de défis que nous sommes capables de voir relever dans la continuité de l'action de son processus. Yes, Denis, Divina Foussin, commissionné.
to tackle several missions. The maintenance of law and order, the regulation of liberty, because you know that we are going to enter a political era who is very sensitive. And the new deal needs the collaboration of each and everyone. All living forces, all the population have to help him by granting him available information in time to face high banditry and criminality that, because of the location of this subdivision, you know, the port is there where everyone went there to find himself. So it's need of very strong collaboration towards this, the duo, to help him enhance the social peace in this administrative unit, and for the goodness of the subdivision and the division of the country as a whole. Thank you. Thank you. Le protocole Tatillon a de je dirais pas de qui a oublié le cadeau réservé à monsieur le préfet. Donc ils l'ont pas annoncé et je voulais que
que la mairie de Douala Premier s'excuse de ce forfait, n'est-ce pas? Et que... Non, qui va être réparé, séance tenante? Parce qu'il était déjà préparé. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais un peu annoncé au préfet avant que ça se serait comme ça. Que nous, à Douala Premier, on ne porte plus les gros cadeaux, mais on le remet sous cette forme-là. Donc, merci. Merci d'avoir préparé le protocole de la cérémonie. De la cérémonie. Ah. Ok. Bon, mais par contre, ça, c'est les clés du bureau. Ça, c'est l'entrée principale. En venant de dehors, c'est l'entrée. Donc, le bureau a deux accès. Ça, c'est l'accès personnalisé qui s'ouvre avec cette clé. Et l'accès pour donner au secrétariat qui s'ouvre avec celle-ci. Et ça, c'est les clés du tiroir. Le coffre-fort n'a jamais, il est déjà désaffecté. Je ne l'ai jamais ouvert, c'est pas ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de la documentation. Merci. Je te souhaite bon vent. Merci. Dans ta nouvelle fonction à toi, la première. Merci, mon frère. Voilà. Merci. Ok. Voilà, premier, c'est du coup. Une photo ici, monsieur le photographe, ça ne referait pas. Non, le préfet qui est toujours là. Viens pas ici. Viens derrière. On se consterne. Venez, venez, venez. Le champ, faites attention. Viens pas derrière. C'est bon. Avec monsieur le maire. C'est bon. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Ok, d'accord. C'est la photo qui restera. C'est bon. Ok.